Eh bien, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Avant que la vidéo commence, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à like la vidéo. Ça fera extrêmement plaisir. Voilà, vous êtes 80% des personnes à regarder les vidéos, à ne pas être abonnés. Donc, on vise les 1000 abonnés. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre cet objectif. J'en serai ultra ravi et ça m'encouragera à continuer les vidéos sur Star Citizen. Donc, les amis, aussi dans la description, n'oubliez pas qu'il y a deux Discord, le Discord communautaire de la chaîne YouTube, où tout le monde peut rejoindre pour passer des moments, pour parler de multigaming et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu où on peut faire ce qu'on veut tant qu'on reste dans le respect des autres personnes qui sont déjà sur Discord. Et le deuxième Discord, c'est le Discord de la DG Team, de la corporation de la DG Team sur Star Citizen. Que vous soyez solo ou en groupe, que vous soyez nouveau ou vétéran, vous êtes les bienvenus sur la DG Team, en tout cas la corporation. Voilà, on cherche des personnes investies qui ont envie de se lancer dans une aventure à long terme et qui voilà, qui voient plusieurs opportunités sur Star Citizen, en tout cas, et aider la DG Team à se faire un petit nom au sein du verse de Star Citizen. Si vous êtes français ou francophone, n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous accueillera les bras ouverts. Petit truc aussi, les amis, en bas de la description, il y a mon code de parrainage pour tous les nouveaux comptes et récits. Tous ceux qui créent un compte, n'hésitez pas à mettre mon code de parrainage, ça vous fera gagner 5000 AUEC après chaque mise à jour quand vous relancerez le jeu, en plus de ce que vous avez déjà. Petite information aussi, les amis, je vous mets mon Twitch dans la description parce que je vais relancer des lives de temps en temps sur Twitch. Bah, pourquoi sur Twitch et pas YouTube? Parce que YouTube, il y a beaucoup de bugs concernant les lives. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et tous ceux qui rejoindront le Discord d'une façon ou d'une autre. Il y aura des annonces faites à chaque live sur Discord. Donc voilà, petite pub auto-promo, on va dire entre guillemets. Mais voilà. Donc les amis, on se retrouve du coup pour une vidéo assez particulière. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait en vidéo de ce qu'on s'apprête à faire. C'est des ERT, donc des chasseurs de primes. Donc tout le monde sait très bien qu'à l'ancienne, on pouvait trouver beaucoup de drogue dans les ERT. Donc c'est là où aussi pas mal a fait pas mal de joueurs ont fait leur richesse sur ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on va s'apprêter à faire. Donc là on en a déjà fini une. C'était juste pour lancer l'intro entre guillemets. Normalement on devrait trouver pas mal, enfin pas mal de drogue entre guillemets, parce que c'était réduit pendant un long moment, on ne trouvait quasiment plus de drogue. Après on a trouvé énormément d'œufs, énormément de slam et trucs dans le genre, et d'un coup plus rien. Donc en fait on sait pas, ça varie beaucoup selon les développeurs, j'ai l'impression. Donc on verra par la suite, les amis. Du coup je vous remercie par la même occasion les membres de la corpo qui m'aident et qui me soutiennent à faire mes vidéos de temps et à autre au sein de Star Citizen. Donc un grand merci à tous ceux qui verront cette vidéo, qui sont de la corporation. Je vous aime les frérots, merci à vous. Bah les amis, on se retrouve avec les autres dès qu'on commencera à décharger les vaisseaux. Partons en mode triage. Tac, on se met sur le techo. Hop. Let's go! Ah oui, c'est vrai qu'il y a les cadavres. Il n'y a pas d'armure! Ah non. Non, c'est des armures de merde. Dommage. D'ailleurs, tu as toujours l'armure Scar du boss de carrière? Tu sais que je l'ai, toi. Bah tu me l'as dit hier. Hein? T'es là? Bah oui, quand t'es parti à carrière. Oh, il y a des œufs. Oh oui, il y a des Ah œufs. merde, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Pourquoi? Tu fais quoi, là? J'ai pas de casque. Oh, le con. Bah, rip. Rip ma vie. 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 Ah, mais t'as un pistolet médical? C'est mort. 10 secondes. Non, 1h20. Ouais, non, parce que je l'ai rentré à l'intérieur du vaisseau, là. Ah. Attends, mais t'as vraiment rien pour te soigner? Rien du tout, là. Ah, mais t'es venu comme moi. J'ai pas de. T'es venu t'habiter ton couteau, quoi. Bah, ouais. Scar, n'hésite pas à prendre un truc pour soigner. J'ai pas de piqûre sur moi, non? Non, t'as que. T'as pris exactement la même armure que moi! Ouais, quand je vole, moi je prends que dalle en fait. Tu l'as pris à ma gym point, non? Ouais. Ouais, bah ouais, on a la même armure. Ouais, quand je vole, je prends que le minimum quoi. Hop, de quoi? Vous avez l'armure jaune? Non, la grise blanche.
sûr. T'inquiète, je te mets dans le déco. Ah, la jaune, moi, je peux pas la prendre, gros. Je la trouve... Vérante. Je t'ai mis dans le coin, Snake, t'inquiète. Il y a Snare qui arrive. J'ai le petit réflexe de le tirer dans le vaisseau. J'ai bien fait. Alors, le fer, ça dégage. Bon, du coup, je prends le corsaire parce que l'autre il va mettre encore 5 minutes de plus. Tu veux prendre le corsaire là, hein? Bah, prends un casque en même temps. Casque? Non. J'en ai vu des trucs, hein. Alors, celle-là. Attends, mais. J'ai mangé avant de partir et. Voilà. J'oublie jamais pourtant. Ah, mais non, mais d'habitude, j'ai mon sac, je le mets dans mon sac. Ouais, c'est pour ça. Ah, là, tu t'as même pas pris de sac? Bah, non, ouais, j'ai pas de sac donc. J'ai mis dans la station et je suis parti. Oh, je viens de m'enculer. Oh bah, reprends des soins. Je viens de m'enculer, mais comment. Jamais, gros. Passer à 77 HP. Bien quoi maintenant? Ça, c'est l'équipe du soir. Ah, c'est dans l'équipe de nuit. Ouais, j'ai pas. Des recharges pour le pistolet américain, je crois. Il va y en avoir besoin. Il y avait que le M2 là, le charge axe. Non, oui. Tu vois, je crois. Il y avait que le M2, ouais. Ouais, il y a quand même pas mal de petites caisses de drogue, hein. Et là, on fait pas les fines bouches, on prend toute la drogue, hein. Après, si vous voulez de la drogue, il y a un truc simple, hein, mais... on est trois, quoi, mais... Le Slam et les deux, hein. Ça, on va prendre, là. J'ai pas regardé toutes les caisses, mais ouais. La mission de mercenaire pour la drogue, là. Ah ouais, non, mais ça, c'est la bite. Ah, si tu récupéreras pas autant que toi. Ah ouais, non, ouais. Attends, mais ils ont pas de. Ça fait combien 240 caisses? Parce qu'il y a des sacs gris et sacs rouges, il y a des bidons. Tu fais à peine 2 millions, je crois. À peine. Bah, en gros, ça veut dire qu'il y a 3 gros, tu divises. Tu feras, je pense, beaucoup plus avec les RT que. Hop, là, du coup, il y a de la slam et des œufs. Je prends des recharges. Enfin, je peux pas retirer les bombes là du. Ah, c'est un A2! Non! J'ai envie de. Non, faut arrêter ça. Faut arrêter les idées de con comme ça.
Et voilà. Vas-y, je le scanne. Ah, maintenant il y a plein de particules, genre quand tu suis la garlingue. C'est comme si la peinture c'était des. Déglingué quoi. Sur qui là? Sur Renel ou sur Ska? On est tous les deux à côté de l'autre. Quartz, ferraille, abri toxine, tungstène, fourniture, tira, ok. Le 608 il a de la merde. Le Aquila. Scale le A2, Oscar. Ouais. Y'a quoi dedans? Deux CU2. Ok. Et le C2, il a que dalle? J'ai pas Scale. J'aime bien les omelettes, moi. Tac, c'est quoi ça? C'est le C2. Un truc à vider sur celui-là ou pas du coup? C'est bon? C'est sur le A, c'est sur le A2 qu'il faut vider deux SCU. T'as besoin d'aide pour vider du coup? Je sais pas ce qu'il y a dedans exactement, j'ai juste vu. J'ai vu les deux, j'ai arrêté le scan. Genre ta porte elle a bougé. Ta porte a fait bouger le. Ouais putain, chier. Quantanium. T'as vu où les œufs t'as là-dedans? Dans le A2? Non, dans le. Dans le C2 là. Oh, C2, je sais pas. C'est dans le C2 là. Ouais, c'est dans le C2. Ah, bah, je me suis bourré le team. Bon, bah, on va vite regarder s'il y a de la gueule de roue. Hein. Du coup, y'a rien dans celui-là? Là où t'es? Comment il y a de l'électricien? Ouais. Et je les mets Je les mets à l'extérieur du vaisseau. Parti sur l'autre. Qu'est-ce que tu sais, celle que tu sors, c'est à mettre dans ton vaisseau? Au vaisseau, hein. On va faire péter le vaisseau. Ouais. Du coup, on a bien, il y a bien des deux dans le A2. Il y a de la néo, des œufs. On n'est pas le quadrillage. Alors normalement, si. Il y a combien de néo là-haut? Il y a une grosse caisse de c'est les carrés, les gros carrés là. On va peut-être pas prendre le quantanium du coup ici. Quoi. Bah 25 ans après il va falloir changer de. De vaisseau, hein. Faut qu'on puisse stocker parce que là. Hein. J'arrive pour récupérer les caisses devant. Eh bien, re les amis, donc on se retrouve pour cette fin de vidéo. Donc, je vous mettrai certainement le petit screen de combien on a vendu. En moins d'une heure, on a fait 2
seulement 2 ERT et on en a eu pour 1,2 million. Donc c'est pas c'est rentable, mais c'est très dangereux quoi. C'est devenu, vu que les ERT sont devenus assez énervés, hein, là, je vous ai pas filmé la branlée que je viens de prendre tout seul contre un amoureux des trois constellations. Mais voilà, c'est rentable, on va dire, en tout cas sur Hardcore. C'est rentable. Mais le risque est devenu très grand parce que. Pardon, excusez-moi, les vaisseaux sont plus énervés qu'avant. Donc forcément, c'est le risque qu'il faut prendre en considération. Et du coup, ouais, c'est très 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 risqué de le faire, en tout cas en solo. Après, peut-être qu'on peut faire des HRT, des trucs en genre en solo. Je sais que j'ai déjà réussi même les ERT, hein, mais voilà, c'est faut vraiment être. Faire des allers-retours, faut se focaliser sur un seul vaisseau, même pourquoi pas prendre un vaisseau avec beaucoup de missiles, donc par exemple le Phoenix. Après je dirais l'Eclipse, mais sauf que le Hammerhead de l'Eclipse il défonce les torpilles, donc ça sert pas à grand chose. Mais donc voilà, vous voyez à peu près que je vous mettrai certainement le screen. De toute façon, je vous le dis oralement, on a fait 1,2 million, c'est pas énorme, mais surtout que, enfin, c'est pas énorme, c'est déjà pas mal, mais surtout que ça prend beaucoup de risques. Donc dans le futur, ça sera bien parce qu'à plusieurs, si on vient à 5 dessus, ça sera assez rapide. Malgré qu'il faudra du coup se partager l'argent. En plus, c'est pour ça que je pense qu'ils ont fait. Je pense qu'ils ont équilibré la chose en fait, que tu gagnes un peu plus que le reste des choses, mais que ça soit assez difficile de le faire en solo, parce que comme ça, au moins, on va dire, quand tu fais à plusieurs, bah t'es obligé de partager. Donc du coup, ça te rapporte un peu moins que si tu étais solo. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, lâcher un petit like et faire sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.